Salut, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir Rescue Me de One Republic. C'est parti. Donc, pour cette chanson, on va avoir 4 positions. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, la position 1, ça va être le doigt 3 en case 9 de la deuxième corde partant d'en haut. En dessous, le petit doigt en case 9, donc de la troisième corde partant d'en haut, et le doigt 1 en case 7 de la troisième corde partant d'en bas. Ce qui fera donc, rien sur la grosse corde, 9, 9 et 7. Position numéro 1. La position numéro 2, on a notre doigt 1 qui reste sur la troisième corde partant d'en bas en case donc 6. On va avoir le doigt 2 en case 7 de la deuxième corde partant d'en haut et le doigt 3 en case 7 de la troisième corde partant d'en haut. Donc rien sur la grosse, 7, 7, 6. Ok. Ensuite, la troisième position, on va jouer sur les avant-dernières cordes. Si on part de la grosse corde comme la première partant d'en haut, ça fera donc 7, 7, 7 avec un barré avec le doigt 1. Donc 7 sur la troisième partant d'en haut, quatrième partant d'en haut et cinquième partant d'en haut. Et on va finir avec la même position qu'on avait en 2, mais au lieu de l'avoir en 6, 7, 7, on l'aura en 4, 5, 5. Donc, doigt 1 pour la case 4 de la 3ème corde partant d'en bas, doigt 3 pour la case donc 5 de la 4ème corde partant d'en bas, et avec le doigt 2, on sera en partant de la corde partant d'en haut, la 2ème, en case 5, ce qui fera donc rien, 5, 5, 4. Les positions qu'on va claquer, en fait, soit on va faire un couvert le bas sur les trois cordes, soit on va prendre le pouce, l'index et le majeur pour les piquer. Donc le pouce pousse et les autres tirent. Et du coup, on va faire 1, 2, 3, 4. 4, 2, 1, 2, 3, 4. 4, 2, ou on va faire, la tablature va s'afficher. Une, ça sera donc pouce qui a toujours la deuxième corde partant en haut, index celle d'en dessous et majeur celle d'encore en dessous. Donc ça fait pouce, majeur, index. On le fait deux fois sur la position 1, une fois sur la position 2, une fois sur la position 3 et trois fois sur la position 4. Revenir sur la position 2. Je répète. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2. Et le tour d'après. 1, 1, 2, 3, 4, 4. Et on s'arrête sur la basse de la quatrième position, donc la deuxième corde partant d'en haut. Et après, je vous laisse écouter la chanson pour voir quand est-ce que ça finit sur la basse, quand est-ce qu'on revient, parce que c'est la même mélodie qui revient tout le temps. Donc c'est parti, je vous le refais. C'était Seb, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Surtout, n'hésitez pas à proposer des tutos dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.